Les plaques de verre. Une goutte d'eau est placée entre deux lames de verre. La même opération est répétée en empilant des lames de verre. Lorsqu'elles sont soulevées, toutes les lames restent collées ensemble grâce à la cohésion capillaire. Les plaques glissent les unes contre les autres, face contre face. À notre échelle, c'est ce mouvement des plaquettes d'argile les unes par rapport aux autres qui donne sa plasticité à une pâte argileuse.